Dans un tournant des événements aussi surprenants que déchirants, un jeune homme aurait été vu en train de s'arrêter avec sa voiture et de poser un siège auto au sol. Après avoir quitté les lieux, plusieurs témoins ont été stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Voici ce qui s'est passé ensuite. Les enfants méritent de grandir dans un foyer aimant, entouré de parents bienveillants et affectueux qui priorisent toujours leur sécurité. Peu importe ce qui se passe dans le monde qui les entoure, les enfants savent qu'ils peuvent toujours courir dans les bras de leurs parents et surmonter les épreuves. Mais imaginez l'ironie de ces jeunes qui ne se sentent pas en sécurité en présence de leurs parents. C'est une idée profondément déchirante, et nous ne la souhaiterions à aucun enfant. Malheureusement, l'histoire d'aujourd'hui reflète une situation similaire. En 2017, Daniel Mitchell, un résident de Californie, a accueilli un petit garçon et partagé sa joie avec ses amis et membres de sa famille sur Facebook. La photo joyeuse le montrait souriant d'une oreille à l'autre, tenant fièrement son fils nouveau-né. Un autre père a aussi déclaré à quel point il s'était senti terrible lorsque l'enfant avait été emmené à l'hôpital dans un état critique. Personne n'aurait pu deviner à l'époque que seulement quelques semaines plus tard, les choses prendraient un tournant inattendu et que Mitchell, alors âgé de 18 ans, tournerait le dos à l'un des siens. Tout a commencé un chaud jour d'été en juillet 2017, un lundi apparemment, lorsqu'un jeune homme a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train d'abandonner un bébé dans un centre commercial de Suiza City. Le jeune parent aurait laissé son nouveau-né dans le parking du centre commercial vers 15h15. Le bébé, âgé de 16 jours, aurait été retrouvé seul dans le bloc 100 de Sunset Avenue. Selon les photos prises par les caméras de sécurité d'un magasin voisin, le jeune homme, identifié comme étant Mitchell, s'était arrêté dans le parking du centre commercial de Sunset, avait sorti un siège auto, l'avait posé au sol, puis avait disparu avec sa voiture. Quelques minutes plus tard, Wendell Cooper, qui dirigeait un salon de coiffure à côté du centre commercial, a remarqué que l'homme avait ouvert la portière arrière de sa voiture et posé le siège auto avant de partir. De plus, les images de vidéosurveillance d'un magasin de cigarettes à proximité auraient capturé la même scène. Cooper et l'un de ses employés furent les premiers à voir le siège auto. En s'en approchant, ils y virent un bébé. Les policiers arrivés sur place furent stupéfaits de découvrir que le nourrisson avait apparemment été abandonné dans le parking. Cooper se souvient avoir emmené le bébé dans son salon et attendu un moment, espérant que le père reviendrait le chercher, pensant qu'il avait peut-être oublié l'enfant. Mais en visionnant les images de sécurité, ils ont réalisé que l'homme n'avait apparemment aucune intention de revenir. C'est déchirant et je n'avais jamais vu ça de ma vie, a exprimé Karen, une des témoins et propriétaire du magasin de cigarettes. Un autre témoin a déclaré qu'une autre personne ayant repéré le bébé dans le siège auto était Eric Keaton, qui se trouvait avec un client dans son salon de coiffure à ce moment-là. Keaton a déclaré qu'il avait immédiatement alerté la police et qu'il avait remarqué que le bébé était emmailloté, portait une couche et semblait en bonne santé tout en suçant sa tétine. Il a raconté que la langue du bébé semblait montrer qu'il venait de boire un biberon. Le nourrisson a été emmené à l'hôpital par mesure de précaution et confié au service de protection de l'enfance, CPS. Plus tard dans la nuit, le CPS a remarqué des rougeurs sur l'enfant et l'a ramené à l'hôpital pour être examiné par un médecin dans un hôpital pour enfants. Là-bas, le bébé aurait été admis pour recevoir un traitement pour un problème médical et était dans un état critique mais stable. En tant que père, Keaton a déclaré à quel point il s'était senti mal lorsque l'enfant avait été emmené à l'hôpital dans un état critique. Il était bouleversé, blessé et inquiet, ne comprenant pas comment quelqu'un pouvait abandonner un enfant de cette façon. D'un autre côté, Cooper était également préoccupé par le nourrisson, surtout après avoir appris son état de santé. Il se souvenait que l'enfant avait l'air en bonne santé lorsqu'il l'avait vu pour la dernière fois et il avait hâte de savoir si son état s'était amélioré. Il a dit qu'il avait des photos du bébé sur son téléphone, qu'il comptait garder, espérant qu'un jour il se reverrait et qu'il pourrait lui montrer ses photos. Cooper a partagé qu'il espérait revoir le petit un jour, peut-être lorsqu'il aurait un ou deux ans, tout en plaisantant en disant qu'il aurait trop de cheveux et pourrait avoir besoin d'une coupe dans le futur. Selon la loi californienne, un mineur peut être laissé dans un endroit sûr, comme une caserne de pompiers. Bien que le bébé ait été confié au service de protection de l'enfance, le chef des pompiers de Suiza City a déclaré qu'il aurait été heureux de s'occuper de lui. Mitchell a été arrêté après que les autorités l'ont identifié comme le père de l'enfant abandonné. Il aurait été arrêté quelque temps après avoir laissé le bébé, alors qu'il fuyait la scène d'un accident de voiture. Le jeune père a été arrêté pour des accusations de mise en danger et d'abandon d'enfant, de délit de fuite et de possession de cocaïne alors qu'il était en liberté sous caution. La mère, qui n'était apparemment pas au courant de l'incident, n'a pas été considérée comme suspecte. Mitchell a plaidé non coupable et a éclaté en sanglots lors de la courte audience, au cours de laquelle plusieurs accusations ont été portées contre lui.